Hier encore, j'avais 30 degrés dans le bassin. Donc, il y a un an, nous avons créé un bassin de 5 mètres par 3 qui fait à peu près 20 mètres cubes. Et donc, la question a été de chauffer ce bassin. Les propositions couramment utilisées, c'est les pompes à chaleur. Et donc, j'ai cherché sur Internet une solution alternative. Je suis tombé sur la proposition du Alson qui était très intéressante sur le fait que les panneaux étaient double technologie. Donc, ça veut dire que globalement, on pouvait chauffer l'eau et produire de l'énergie. Donc dans le bâtiment, nous sommes forcément, donc je suis marié et un enfant, donc nous sommes trois. Donc après, forcément, après cette la solution choisie, j'ai contacté du Alson, qui m'a fait une étude avec une consigne de 28 degrés. Cette consigne a été élevée, nous l'avons mis à 32 degrés, et actuellement j'ai en permanence, en moyenne, 30 degrés. Donc l'installation est quand même assez récente, puisque ça a été fait au mois de juillet. Depuis la date de mise en service, j'ai une moyenne de 30 degrés au niveau de du chauffage de l'eau, en fin de compte. Globalement, les solutions les plus courantes sont la pompe à chaleur. Je ne voulais pas cette solution pour X raisons. Je trouvais que c'était énergivore au niveau électricité déjà. De fait, j'ai trouvé sur Internet ces solutions du Alson qui me paraissaient alternatives et très performantes. Ce qui est le cas jusqu'à maintenant. Après, j'ai pas assez de recul. Il faut attendre au minimum, je pense, un an. C'est une nouvelle génération de panneaux. Je n'ai pas assez de recul pour dire quelle consommation par an j'ai en électricité, en production, et combien je vais maintenir ces 30 degrés. La base, c'était ça, de mai à fin septembre. Après la solution choisie du Alson, j'ai cherché un installateur agréé du Alson, qui est l'entreprise Mario à Montaigu, qui a été forte de propositions et qui a emmené le projet jusqu'au bout. L'installation s'est très très bien passée, elle a été très rapide. Ça a été installé sur un délai de 3 jours. À ce jour, je suis très content de l'installation. Elle remplit pleinement les consignes et l'étude qui avait été faite au départ, puisque comme je l'ai déjà dit, la consigne de base était de 28 degrés et je suis en moyenne à 30 degrés, donc 2 degrés de plus par rapport à l'étude. Donc jusqu'à ce jour, l'installation remplit pleinement les consignes que j'avais données, qui étaient de 28. Je valide et je conseille fortement cette installation sur deux points principaux. C'est que déjà, c'est de l'énergie gratuite et qui fonctionne très bien. Jusqu'à présent, oui, par rapport à une pompe à chaleur, je pense même en entretien, zéro entretien et énergie gratuite.